Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Super Opening. Aujourd'hui on va ouvrir un cristal featured, du coup avec, bon je vous le rappelle, un seul perso que je n'ai pas, c'est-à-dire Hyperion, et également donc pas mal d'éveils que j'aimerais bien, notamment Tigra ou Red Guardian, qui sont donc certains de mes R5 et que j'aimerais bien éveiller un peu plus. Donc on a également 2-3 petits trucs à ouvrir, parce qu'on va aller dans la boutique d'Incursion, mais on va également aller dans la... Enfin, non, dans la boutique d'Isonoir, mais on va également aller dans la boutique d'Incursion. Parce que dans la boutique d'Incursion, comme vous avez pu le voir, vous avez la possibilité, avec 20 000 artefacts, que du coup j'ai gardé sur mes deux comptes principaux, d'acheter du coup un cinquième de Platinum Pool. Donc on va acheter sur un cinquième de Platinum Pool, et voilà. C'est tout simple, on va l'acheter et également du coup on va tirer les cristaux qui sont à côté qui permettront peut-être de regagner un petit peu du, ça pourrait faire kiffer en tout cas. Donc à côté de ça on va prendre tout ce qu'on a à prendre dans le marché des zones noires, vous connaissez, toc, le petit cristal ultime, les éclats de cristaux, 4 étoiles, ah je peux pas les prendre, oh, sérieux, bon, ça on prend. Ça on prend pas. Et du coup, ça on va prendre. Ah, on peut même pas prendre. Putain, c'est décevant. C'est décevant. De toute façon, on a des éclats cristaux à côté. Et donc, incursion. Et donc là, on a le pack d'incursion fabuleux. Qui va nous donner du coup le bras droit du fabuleux. Alors, je crois qu'il y a la tête, le bras droit, le bras gauche. La ceinture, donc c'est les jambes et la ceinture en gros, et le torse, je crois qu'il y a un dire comme ça. Du coup, 20 000 artefacts, et voilà, du coup on va aller ouvrir ça. Donc je vais juste, avant ça, compléter, enfin prendre les trucs héroïques, les petits trucs qu'on a à côté. Donc cristaux de vainqueur de guerre. Super. Ah, ça va. Ça va, ça va. Bon. Ça, on va les ouvrir, tiens. On commence à en avoir un bon nombre. Donc, ça va être le moment. Ça va être le moment d'ouvrir. Hop, 28 cristaux. Et là, on en a un peu plus de 20. Bon, niveau unité, j'ai entendu plusieurs... disons que le minimum d'unités qu'on peut avoir, là, dans les cristaux... Dans les éclats de cristaux, là, que je vous ai... Enfin, c'est pas dans les éclats de cristaux, dans les cristaux, je sais même pas comment ils appellent. Mais en gros, dans ces cristaux-là, on peut avoir minimum 20 unités. Et on peut avoir... enfin, on peut en avoir plus, bien évidemment. Et on peut avoir, du coup, des parties du Platinum Pool. Donc ça peut être grave cool, en vrai. Si on pouvait gratter une petite partie et qu'on n'ait pas à la payer à un autre endroit. Ça pourrait être grave kiffant. Voilà. Donc à côté de ça, on va aller ouvrir du coup ces cristaux-là. On va les ouvrir un par un parce que c'est un peu des cristaux spéciaux quand même. C'est un peu des cristaux spéciaux. Ça, on a 6 cristaux. Du T2A. Du T4B. Bon, on n'a pas eu d'éclat de cristaux. C'est un peu moins ouf. Alors, ils sont... Ah, cristaux fabuleux. Donc cristaux fabuleux, on a du coup... On a 1,25%. Alors, il y a la belle bouche du fabuleux. Ça, c'est la tête. Torse découpé du fabuleux, ça c'est le torse, quoi, c'est le corps. Jeune jambe fringante du fabuleux, donc ça c'est le bas. Bras gauche étonnamment bien développé du fabuleux, ça c'est le bras gauche. Et bras droit tout naturellement musclé du fabuleux, c'est celle qu'on a déjà du coup. Et donc les unités, on a 100% de chance. Donc je sais, en fait, garantie des unités a de rares chances d'offrir le bras musclé. Enfin non, ça a de rares chances de donner un autre truc. Bon, en tout cas, on va voir, je pense qu'on n'aura que 10 unités, mais bon, on sait jamais, on ne sait jamais. Alors, on va regarder surtout combien on en gagne. Si on pouvait gagner un petit 200, ça pourrait être kiffant quand même. 50 unités, ça part bien, le minimum c'est 20, comme je vous ai dit. Si on a 50, c'est bien, 50 à chaque cristal, ça serait génial. En vrai, on va avoir quelques petits lots à 20, mais si on peut avoir minimum 200, comme je vous dis, ça peut être grave fou. Allez, le deuxième, cette fois c'est 20. Quoi qu'il arrive, ça nous fait monter nos unités. Moi j'aime bien. J'aime bien, ça nous fait monter nos unités, je prends.
Hop. Le troisième. 50, encore une fois, on passe à 120. 123 cristaux, c'est parfait pour l'instant. Allez, il faudrait un autre lot de quelque chose au-dessus de 20, et comme ça on est assuré d'avoir les 200 vues que j'espère. Alors, on va avoir 20. Ah! Autre chose que 20. Autre chose que 20. Ouh, on a vu la tête. On a vu la tête. Ah, je pense qu'on tombera jamais dessus en vrai, dans ces trucs-là. Ok. Ah, encore 20. Ah, j'ai vu des tirages. En plus, j'ai vu des tirages de ouf. Hein. J'en ai parlé un peu avec Greg, qui a eu un tirage vraiment pas mauvais. J'en reviens voir un petit truc cool, quoi. Allez, un petit tirage au-dessus de 20 là. Ah là là, mais c'est dingue. Pourquoi on peut pas avoir un peu de chance, genre sur des trucs? C'est lourd ça. Ça, c'est lourd. C'est super lourd. Le bras gauche. Non, sérieux, trop lourd, archi lourd, sans déconner, on a... Ah ouais, d'accord, donc ça, en fait, ça s'affichera jamais, en fait, ça s'affichera jamais, en fait, on le chope après, ah, lourd, oh, lourd, on est à 2 sur 5, archi lourd, et 50 unités, lourd, super lourd, waouh, dites-moi d'ailleurs, vous, si vous avez chopé d'autres, enfin, combien vous avez chopé d'unités, si vous avez chopé d'autres parties de Platinum Pool, du coup, mais, waouh. Lourd. Je sais pas du coup où il faudra l'acheter, ce bras gauche, mais en tout cas, je l'ai. Donc déjà, au moins, ça, c'est de l'assuré. On a déjà le bras gauche. Et le bras droit, du coup. Donc c'est lourd. Et 20 unités pour terminer. Bon. On a eu du coup 258, mais on a eu le bras gauche. On a eu le bras gauche, du coup, on a le bras droit également. Ça fait super plaisir. Je vais pas vous mentir, ça fait super plaisir. En plus, un niveau unité, du coup, on est à 750, sachant qu'au moment où je vous parle, ça fait genre... Allez, ça fait une dizaine d'heures que j'ai terminé mon passage Abyss. Un peu plus que ça quand même. Peut-être, ouais, un peu plus que ça. Une douzaine d'heures, on va dire. Ouais, une douzaine d'heures, c'est ça. Et bah du coup, j'ai déjà re-758, donc c'est assez lourd. Bon, en tout cas, on va reprendre nos esprits et on va repasser sur le planning un peu plus classique. Donc 250 U et du coup une des 5 autres parties de Platinum Pool. Nous sommes à 2 sur 5, ça fait super plaisir. Sachant qu'on ne sait pas du tout quelles parties seront, enfin comment obtenir les parties et tout. Mais en tout cas, pour l'instant, le bras droit, c'est dans la boutique d'incursion et du coup avec les 8 cristaux du fabuleux. Donc quoi qu'il arrive, c'est cool. Imaginez si le bras gauche, c'est une partie qu'il faut acheter, par exemple, ben, en vrai, c'est archi lourd. C'est archi lourd. Après, c'est sûr que si c'est un truc que genre vous achetez avec de l'or, bon, je vais pas vous dire. Je vais être en mode bon. Je change pas grand-chose à ma vie, hein. Alors, les éclats de cristaux. En tout cas, c'est lourd, hein. Franchement, je suis super content. Super content. Quoi qu'il arrive, c'est forcément quelque chose qui sera bien. Même si au final, on se retrouve à avoir un truc, bon, au final, que ça s'achète facilement et tout. Quoi qu'il arrive, ce sera lourd. Alors, ouais, cristaux du jour, pourquoi pas, on en a 4, pourquoi pas. Bon, ça nous donne de la merde. Mais normalement, on peut avoir du 5 là-dedans. Mais bon, jamais. Jamais. Les SCH. Alors du coup, ça, normalement, c'est ça qui va me permettre de d'ouvrir, enfin de... d'ouvrir des enfin d'aller acheter ce qui me manque dans la boutique d'Iso Noir. Il faut que j'atteigne 2000 éclats 4 et 2000 éclats 3, je crois. Ok. Bon, pour l'instant, on est du 3 étoiles. Ah, petit 4 étoiles. Gwenpool et 2-3 étoiles. Pour l'instant, on est à 4 3 étoiles et 1 4. C'est bien. C'est très bien, ça me va totalement. Allez, les 3 derniers. Et ben, un petit 3 étoiles, petit Groot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, il nous faudrait un peu plus d'éclat 3 et un peu plus d'éclat 4.
Bon, les éclats 3, on risque de les avoir. Quoi qu'il arrive, il me reste quelques SCH ici, 8. Allez, on veut un peu de 3, voire du 4. Et bah du 3 étoiles, ça me fait plaisir. Magneto et Sentinelle. Donc on va ouvrir les éclats, enfin les cristaux de compétences max 3 étoiles. Et du coup, je vais pas ouvrir de cristaux, je vais aller d'abord dans la boutique d'Isonoir. La boutique d'Isonoir va me permettre d'acheter donc du 4 étoiles. Et grâce aux 4 étoiles que j'aurai gagné, ça permettra d'acheter du 5. On va ouvrir ces cristaux de compétence max ici. Toc. Comme ça, là, on va être à plus de 1000. Et comme ça, grâce aux 1000 que je vais gagner dans la boutique, justement, eh ben, je pourrai acheter les 1000 éclats 5. Allez, on est parti. Toc, marché d'Isonoir. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut l'acheter plusieurs fois? Ah non, on peut l'acheter qu'une seule fois. Ok. Ok. De toute façon, je vais l'acheter aussi sur l'autre compte, hein, quoi qu'il arrive. Sur le deuxième compte, je vais l'acheter bien évidemment. Histoire que voilà, ça nous fasse un petit kiff, un petit kiff supplémentaire, un petit truc. Parce qu'en vrai, c'est un personnage exclusif, il faut l'avoir quand même. Il faut l'avoir. C'est un peu un truc obligatoire, hein, donc franchement, dépensez pas vos artefacts dans genre des cristaux et tout ce mois-ci. Vraiment, dites-vous, il y a ça, c'est un truc un peu marrant, franchement, je trouve ça bien cette façon de damner un autre personnage. Genre, ou Goldpool, ils l'ont fait venir, genre, c'était un truc en mode, faut dépenser de ouf et tout pour l'avoir. Et là, au final, Platinum Pool, c'est un peu une parodie de Goldpool. C'est en mode, ouais, Goldpool, il a coûté cher et tout. Moi, Platinum Pool, moi, je suis un peu l'homme du peuple et tout. Genre, tout le monde pourra jouer avec moi et tout. C'est un peu le délire, vous voyez. Et je trouve ça cool. Ça fait un peu un paradoxe entre les deux, vous voyez. Un parallèle entre les deux, au final. Donc, je trouve ça cool. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de ce délire autour de Platinum Pool, je trouve ça cool, hein, qui nous a un peu fait mijoter pendant des mois et des mois. Je trouve ça cool. Je trouve ça marrant. On va avoir du 3 étoiles, en vrai. Après, on va avoir du... c'est quoi qui va me manquer? Ah oui, deux cristaux comme ça, ouais, ok. Il va me manquer du coup le cristal ultime. 2-3 étoiles, logique. Cristal ultime. Ok, super. Super, super, super. Ouais, ça, cristal de l'amitié, pourquoi pas. Si c'est pour me donner de l'or, autant que je ne l'ouvre pas. Cristal de compétence max, 4 étoiles. Ah, pourquoi toujours des gemmes? Je m'en fous des gemmes 3 étoiles, les poteaux, je m'en fous. Allez, le petit 4 étoiles. Donc il me manque Bakou de Clairvoyante, Guillotine de 99, Squall Girl et quelques autres récents. Pas Falcon, hein. Falcon, il ne me manque pas du tout. Il ne me manque pas du tout, le poteau Falcon. Il est à 99 depuis des lustres. Voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est quoi d'ailleurs? Ah, ça doit être, oui. Ça va être le truc le test du chevalier qui doit se terminer là. Par contre, ça va faire des CH de plus. Fais chier. Ok. Eh ben, écoute, on va voir le SCH quand même. Hein. C'est quoi ça? Oh, flemme, je vais pas l'ouvrir tout seul. Le SCH, on va l'ouvrir tout seul, par contre. Hop. C'est quoi ces unités que j'ai eues, là? En plus. Ah, ça devait être un bug. Ouais, ça devait être un bug du truc d'avant. Ok, bah écoutez, on va ouvrir le cristal 15K. Donc, comme je vous ai dit, le truc principal, ça serait l'obtention d'Hyperion, enfin. En deuxième position, ça serait Execo, ça serait Éveil de Tigra, Éveil de Red Guardian, qui sont des R5 que j'ai et que j'aimerais énormément éveiller. Sinon, après, il y a Black Widow, Origine Meurtrière, que j'aimerais bien éveiller aussi, mais un petit peu moins. Et voilà, le reste m'intéresse pas forcément. Oh, l'éveil de Médusa, pourquoi pas? Pourquoi pas? Des éveils supplémentaires pour Tornade Pyramidix. Pourquoi pas, pour Terrax, pareil, mais voilà.
Allez, c'est parti. Nouveau cristal. Featured. Allez. Oh, ouais. C'est peut-être mieux que Star-Lord en vrai, Vaudou. Comme c'est un perso que j'aimerais bien potentiellement monter, en vrai, monter sa comp, c'est pas si mauvais que ça. Après, pour l'instant, c'est chaud au niveau mystique et tout, surtout qu'en plus, il y a Dragon Man qui sort, et si, imaginons, je le chope, ça va faire encore beaucoup de cata mystique à mettre. Mais Vaudou, pourquoi pas, parce que ça a toujours été un perso que j'aimais bien, et c'est un perso que potentiellement, je pourrais monter R5. Donc, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Enfin voilà, en tout cas donnez-moi votre avis. De toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai moins de hype à faire un super opening avec un Chris à feature, mais bon, je le fais quand même parce que bah en vrai il y a quand même Hyperion, il y a quand même plus de chances de choper Hyperion dans celui-là, et que bah il y a 2-3 petits élèves que j'aimerais bien, notamment celui de Red Guardian que j'aimerais beaucoup parce que je le prends pas mal en QA en synergie abomination, et du coup ça m'aiderait beaucoup d'avoir sa compétence spéciale, d'autant plus que je peux lui mettre des pierres et tout, et Tigra j'aimerais bien rien que pour le fun, parce que c'est vrai que je peux pas la jouer genre de façon optimale, étant donné que je suis obligé de faire 2 SP1 au début, là où si elle était éveillée et bien éveillée, j'aurais juste à faire un SP2, enfin faire full SP2 quoi. Enfin voilà, en tout cas merci à vous, bonne soirée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé dans vos cristaux du fabuleux. Donc moi je vous le rappelle, donc j'ai le bras droit qu'on a pu avoir dans ce pack du fabuleux d'incursion, mais également du coup le bras gauche que j'ai récupéré. Donc là vous allez voir, il y a les deux parties qui vont être, je sais pas pour vous, mais les deux parties vont être quelque part. Ah bah ils apparaissent même pas les deux parties. Ah si, là, voilà. Donc là, il y a le bras droit. Non, là, il y a le bras gauche. Donc ça en théorie, elle est rare quand même. Parce que genre j'ai eu 1,25% de chance de l'avoir. Bon, en vrai, franchement, je préfère réchatter sur autre chose que sur ça. Mais ça fait plaisir quand même. Je vais pas vous mentir, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de chance sur un petit truc dans le tournoi, même si c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Je vais pas vous mentir. Enfin voilà, en tout cas, merci à vous. Bonne soirée. Et on se retrouve du coup très très vite pour une nouvelle vidéo. Demain, je sais pas trop ce qui va sortir. Demain, ça sera peut-être le big opening de fin de saison de GA. Il y a peut-être moyen. Donc on verra. Ouais, il y a moyen. En vrai. Donc voilà, il y aura sûrement le big opening de fin de saison. Mais également, donc la GA, bien évidemment, la dernière GA de la saison. Donc sur mes deux comptes. Que je suis en train du coup de faire hein, au moment où je vous parle, et voilà, je pense que c'est à peu près tout en ce moment, et bah, de toute façon il y aura un live mercredi, donc peut-être, ah bah d'ailleurs peut-être que ça sera porté à jeudi, comme mercredi il y a un live, peut-être que je mettrai que jeudi du coup les vidéos, enfin mercredi je mettrai de toute façon la vidéo de GA, mais peut-être que le big opening de fin de saison ça sera jeudi, et du coup de toute façon il y aura un opening de 6 étoiles et un opening de trucs, enfin il y aura un opening quoi qu'il arrive sur ce compte là également, donc enfin, de toute façon fin de semaine ou dans le week-end quoi. Donc voilà, restez connectés, en tout cas merci à vous, bonne soirée, n'hésitez pas à aller voir les deux vidéos qui vous sont proposées sur les deux côtés comme ça, voilà, hop, et n'hésitez pas à aller vous abonner, vous avez le petit bouton au milieu de votre écran, et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo de tout type, que ce soit à 19h sur ma chaîne, merci à vous et bonne soirée.